Et bonjour à tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de NFS. Je dis quand je vois le V6 sur l'arrière de la Clio, franchement, ça me fait de l'effet, lol. Alors voici ce qu'il faut atteindre pour faire une cursette contre cette folle dingo. That's good. Donc la dernière fois t'avais fait des curses et Oui. on va continuer les cursettes. Hein. Alors, Donc donc ça c'est voilà. un contre-la-montre. Ouais, donc vas-y, pas grand chose à voir hein, à part rouler voilà, Oui. s'il y a des moments drôles, mais ça peut être en vrai. On est passé quelques fois dans ce tunnel. Tu te rends compte que vu que t'as détruit un panneau stop, et bah du coup y a personne qui va s'arrêter, mais ça on avait déjà fait la blague. Avec un feu rouge, ouais. Ouais, et aussi vu que t'as défoncé la lampadaire, et bah autant la nuit il va y avoir une agression et voilà, et à cause de toi, une personne va perdre la vie. Dans ce jeu, il ne fait jamais nuit, donc ça m'étonnerait qu'une agression arrive. Oh putain, vite déjà! Ou tu sais pas, ou alors. Absolument tout ce que tu fais là, ça se passe dans la même journée en fait. Putain, le gars il a fait 60 000 courses dans la. Il s'est fait poursuivre. Oui, c'est Et abusé, hein. en plus, il part et quand il revient, le panneau il est réparé. Here I go, I'm a Wario. Je suis à la limite de 8 secondes hein, quand Là, même. encore un panneau stop, le pauvre. Tu te rends compte qu'il y a un... te rends compte qu'à cause de toi, vu que t'as défoncé un plot, un con là, et ben du coup les gens ils se rendent compte, enfin je sais pas, quand les types qui font les travaux ils vont revenir, ils vont voir qu'il y a un plot en moins, ils vont le chercher, autant il sera satellisé ou quoi, comme tu l'as satellisé, et du coup la mairie de la ville va perdre de l'argent, du coup ils vont perdre des subventions et voilà à cause de toi mais. Je suis à 260 en plein centre-ville Oui. normal. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a très peu de monde qui roule. En fait, on est en pleine crise Covid. Il n'y a que Ouais. 2-3 pecnos Qui sortent. qui violent l'interdiction, mais. Quelques tuningars qui font Ouais. des cursed dans la ville. Oui. À mon avis, s'il y a aussi peu de circulation, c'est parce que la GameCube, elle pouvait pas gérer. Ou alors, c'est qu'ils n'ont pas voulu faire chier, mais c'est vrai qu'il y a vraiment très très peu de circulation quand même. Bon. Allez, Après, on tu me enchaîne, diras. speedrun, on a même pas le temps de voir. Loul. Après, tu me diras, dans les GTA, il y a de la circulation quand même, dans San Andreas et tout, mais je sais pas s'il est sorti sur Game. Ça dépend, après c'est les courses aussi, il y a des courses où genre t'as des parties personnalisées, tu peux choisir des courses avec pas de trafic. Parce que les courses là qu'on fait tout en Ben honneur, là, y a une option avec du trafic, il doit être limite désactivé là alors. là il y en a pas, il n'y a pas de trafic, là pour moi là il n'y a pas de Ouais. trafic. Parce qu'on Oh, voit oui, en y en a général, pas. dans le mode libre par contre c'est max, c'est trafic max. Ah, c'est parce que c'est les courses qu'il n'y a pas de trafic. Ici, dans les courses, il y a des trafics des fois. Enfin, je sais pas, c'est. Et c'est vrai que dans Monster Hunter 2012, tu remarqueras Tu vois, que regarde là, il y a déjà une voiture. On vient de croiser une bagnole. en ligne et pendant les courses en solo aussi, il y a beaucoup moins de circulation qu'en mode circulation libre, tu vois. Donc il y en a quand même, tu vois. Là c'est vrai, de toute manière, on a vu quand on était en mode libre, il y avait des voitures. Donc à mon avis, c'est juste parce que c'est des courses qu'il y a peu de circulation. C'est pour pas faire chier les joueurs, tu vois, à devoir slalomer comme des putes et à se cracher H24. Est-ce que je suis grossier? Je suis un grossier personnage. Ouah, 310 km/h! Ah non, mais c'est abusé, tu te rends compte que. Tu es un grossier personnage? Non, Là, je suis encore tu plus vas grossier que aussi ça. vite qu'une Nissan GT-R, là, loul. Enfin, encore, les V6, ça peut aller très vite, hein. 300! Putain, ça décolle! Ouais. Tu sais, les V6, dans les Formule 1, loul, ça fait plus de 1000 chevaux. Pourtant, le moteur, il fait même pas 2 litres, tu vois. Ah, hi. Par contre, qu'elle fait quand même du 100 en 200 Ouais. en même pas 5 secondes. Tu vois la McLaren MP4 12C. Ouais. Elle est pas dans une sortie de celle-là? Elle est dans Most Wanted Ouais, 2012, ouais. c'est celle-là, Bah, ouais. c'est un V6 sous 6. LOL. Pourtant, elle fait 300 chevaux et au max, elle dépasse les Ouais, 6 cylindres. 330. Après, Ouais. ça, ouais, des fois, ça veut rien dire. Hein. Même il y a des 4 cylindres qui sont très puissants aussi, mais c'est moins courant. 206 cc, c'est un 4 cylindres, je crois. Ouais, c'est un 4 cylindres. Même oui, dans les voitures de rallye, tout ça, c'est des 4 cylindres en général. Genre, les Subaru, c'est très souvent des 4 cylindres. Hein. Ils sont pro des 4 cylindres Ouais, bah ouais. surboostés. Après, ça veut rien dire. Hein. Il y a des, ouais, les V4, c'est plus puissant que. Ça peut être plus puissant que certains V6, j'imagine, ou des V8. Enfin, V4. Ouais, en vrai, ça existe, V4, mais c'est très rare, c'est souvent les cylindres en ligne, je crois. Mais je sais pas trop quoi, ouais, V4. Ouais. C'est genre les cylindres, ils sont disposés en forme de carré. Et une ferme, il y avait une ferme à côté. Et à côté, il y a un panneau publicitaire de Burger King, c'est con. Oui, Burger King est dans ce genre. Peut-être Oui, qu'ils comme élèvent toi. les vaches pour Je Burger suis à King. 300 pilards. Ouais, Essaye de c'est garder cette abusé, vitesse, Paul Aïmon. elle est rapide. Hein. Tu l'as améliorée, là? Non, tu l'as pas améliorée. Non, même pas. Oh putain, Ouais. ça a tout ralenti à cause du mur. Oh si, ça restait à 291. 280.
D'ailleurs, on va voir si je peux pas améliorer 2-3 trucs. Arrière boutique, on regarde c'est quoi les... Ah, il y a une performance... Oui. Et ça fait gagner plus ou pas? Jukman, on va... Attends, on va voir. Oui, ça te fait gagner plus, je crois. Ouais, mais je vais voir s'il y a pas genre... Tu devrais aller faire un tour après. Dès que t'auras quitté le magasin, mec. Faire des caisses. Ah si, t'as débloqué un nouveau turbo, ouais. 25 000. En vrai, les freins, elles freinent déjà très bien, donc bon... Moi, je trouve que dans ce jeu, la puissance des freins, c'est abusé comme ça freine bien. C'est à la mode, Stan. Non, là, le moteur n'est pas... On a de l'argent, de toute manière, vas-y, prends. Non, je vais prendre celle du truc, parce qu'au final, on achètera une transmission plus puissante après. Ça va piquer les pneus, on s'en branle. Enfin, pas les pneus, le nitron, là, déjà. Par contre, les pneus, ouais, je vais mettre en ultimate, hein, regarde. Ah, tu peux? Ah, ouais, t'as débloqué. Tu vas voir, en comportement. Ah, je gagne de fou, là, en comportement. Ah ouais, comportement, c'est au max, là. Là, elle est excellente. Et regarde, j'ai pas pris la transmission, je vais la prendre, là. Sas. Et, attends, elle est où la transmission? Ah non, c'est dans l'arrière-boutique. Regarde, là. Waouh, je l'avais imaginé pour un autre. Là, elle va être un peu plus puissante, dos, hein. Attirer l'attention, ouais, c'est bien. Et avec ça sur toi, ça bouge. Pas traté. Celle-là, non, celle-là est trop basse. Celle-là, je l'aime bien, la 2. Tu vois, la 1, j'aime moins, tu vois, je préfère la 2, ouais. Tu vois, ça fait juste des bas de caisse, ça met pas trop de trucs, tu vois. Là, la 2 est bien, ouais. C'est quoi, ça irait pas à plein de caisses, hein. Mais et la couleur, allez, on va changer. Ah non, non, on va pas la changer. Parce que sinon, je vais perdre les indices de recherche et ça va être chiant avec la police après. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je l'avais déjà fait pas mal, ouais, mais t'en restes... Ah ouais, tu peux encore descendre, ouais. Y'a un drag race, on va le faire. Normalement, c'est... Ouais, tu verras. De manière, tu vas tester. Moi, c'est rond pour monter de vitesse et croix pour descendre. Allez, allez, putain! Rétrograde! Cool! Il y en a un qui est devant là. Bah ouais, t'es deuxième? Ah ouais, t'es deuxième là. Ah ouais, il est loin. Il m'a fait perdre la vitesse, l'autre gogol. Et lol, putain, c'est chiant ça. Mais... Est-ce que ça veut pas tourner, c'est chiant. Putain, vous l'avez. Mais t'as passé une drag race. T'as vu tous les virages qu'il y a, c'est pas une drag race. Mais si, c'est une Carrera 911 là. Ah, je crois que tu me parlais de l'autre épisode d'avant. Non, celle-là, ouais. La Carrera S. Ce qui est insupportable dans le drag race, c'est que... Tu veux éviter le truc, regarde le gogolard de congolais là qui va vendre des marchands de glace là. Il va vendre des marchands de glace. Alors c'est pas les glaces que tu vends, c'est les marchands de glace. Ouais. C'est bon. Oui. Ouais, non mais il est arrivé, j'ai cherché de dire un truc, j'ai voulu dire un truc hyper vite, j'ai vu un camion, j'ai pensé à un marchand de glace et tout, et tu vois, genre c'était pas marchand de glace. Et qu'est-ce qu'il me veut? Si tu manques de cash, tu peux toujours disputer toutes les courses aides. Oui, on sait. Je crois qu'on fait quoi depuis tout à l'heure, Rogue? Allez, c'est l'heure des défards. Donc, bah, let's go. Hein. Donc, les défis, il faut. 50 000 de dégâts, 8 barrages, et de la prime. Ok, bon, bah, voilà. Ce qu'il me reste à faire maintenant, ça fera. Allez, on va aller sur l'autoroute parce que. Ce qui est con, c'est que j'ai oublié quel boss c'était, si c'est une fille ou un mec ou. C'est une fille. Ouais, c'est une fille, ouais. C'est Kamikaze, là. Ah non, oui, Kamikaze. Non, elle a déjà... Oh là là. Putain, vous êtes nuls, hein. Franchement, vous êtes vraiment nuls. C'est niveau 1, là, vous puez la merde. Hein. Elle est vraiment magnifique, la QV6. C'est une des plus belles voitures que Renault a jamais faite. J'ai vu un topic sur JVC, le mec, il se plaignait parce que son père lui avait acheté une Clio et qu'il voulait une Audi A1. Et du coup, il a cogné dans le rétroviseur, il a frappé la vitre et il est parti en pleurant. C'est débile, putain. Clio, c'est une bonne voiture, en voyant donc. Après, bon, c'est pas une Clio. Forcément, il y a un gap entre celle de base et la Clio V6, mais bon, lol. Loul. Je voulais le faire perdre plus tard, sous le cotard. Allez, suivez-moi. Waouh. Il me faudrait du renfort ordinaire, parce que qu'est-ce qu'il attend d'ordinaire? Il croit que lui, il est meilleur que ses collègues ou quoi? C'est quoi comme voiture qu'ils ont là, les voitures Pong? C'est quoi? On dirait des cruisers, je sais plus comment ça se dit là. Ça existe comme voiture? Je crois que ça existe. Hein. C'est des cruises de machin là, des trucs de maréchal là. Ça me dit pas quelle marque c'est. Ouais. Ou alors c'est peut-être une sous, je sais pas. Mais je crois que j'avais déjà vu la marque, hein, ça existe.
Déjà, quand il y a les Pontiac GTO, ça devient sérieux. Oui, ouais. Ce sont des bonnes voitures de sport, ça. C'est, ça n'a rien à voir avec, ce, avec leur voiture de Kong. Par contre, eux, ce qui est con, c'est qu'ils se mettent en formation autour de toi, en fait. Ils essaient de te bloquer. Mmh. Ouais, ils ont ralenti instantanément, là. On sait pas ce qu'ils ont fait, ouais. LOL, ils étaient 6 derrière avec un perdu contact visuel. Je suis là. Et Hoffman, dans ses mains. LOUL. Oh, ils sont énervés, là. Oh, oh, oh. Voilà. Détendre, hein. Oh, t'as vu, des fois ils se vénèrent, hein. Ouais, il y en a deux qui ont derrière qui ont disparu. Non mais putain, ils vont doucement en plus. Des putains de travaux ici. Oui, t'es obligé de rouler à 50 pour les attendre, lol. Mais ils sont où, ils font quoi, Miloul? Il y en a plus qu'un, mais l'autre il part dans l'autre direction sur le GPS, Miloul. Il est Kong. C'est marrant, je prends son aspi, mais... Aïe! Ah non, tu vas faire la poursuite. Il va faire demi-tour. Je n'ai plus le code 6 en visu, je continue. Nous l'avons de nouveau, nous rattrapons. Au car. Niveau 3 bientôt, là. Je sais que non. Sur Gran Turismo, j'aime bien la conduire, la QOV6. C'était le seul jeu avec la QOV6 que j'ai. Oui, t'as augmenté de niveau, là. Ouais. Niveau 3. Niveau les renforts arrivent dans une minute. Et ben, va falloir être patient, comme la patience. Regarde son visage, j'ai un visage. Je vois pas trop là. Ah ouais, mais il a pas de visage en fait. Ouais. Juste une texture floue, ils ont même pas modélisé de nez ni de yeux. Je suis là! Non! Mais putain, mais je suis là! Mais il est con! Mais Loul, il sort de l'autoroute et il fait quoi? Oh, Michael Jackson! Mais putain, mais. En plus, avec la carte Google, c'est compliqué de se digérer. Mais il s'en va, il est parti! Il est con! Allez, faites un popé 1 là. Ah, y'en a devant, Marcel, ok. On va voir les vaches. Ah, c'est une Pontiac. Je dis les Pontiac, je sais même pas s'ils ont déjà fait des voitures de route. Hein. C'est que des voitures muscle car et tout. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Hein. Ouais. Olivier de Carglass. Oh oh, oh, ça marche. Oh putain. Ouais, t'es... Prenez les seaux d'eau là, je sais pas si c'est en vrai. C'est des. Bah justement, c'est des bidons d'eau, et ça, y'a que ça aux États-Unis, et genre, c'est en sortie d'autoroute où genre, tu sais, puis genre les voitures peuvent avoir un accident, bah ça pourrait amortir. Ah ouais, comme en F1 quoi, ils utilisent des trucs d'eau aussi pour ralentir. Pour ralentir au cas d'accident et de choc. Ah! Et Lou, il y avait un barrage derrière, Le barrage, il a pop derrière toi, genre 100 mètres derrière toi, alors que tu venais de passer la route. Mais t'es con, mais arrête, mais putain, mais c'est pas possible. Le mec, il te voit même pas tourner ou quoi, il capte pas. Et voilà, on va encore attendre 10 ans, putain. Oh là là, les loups, les souris. Putain. Casse-toi là! Alors lui, franchement, il méritait de voler. Hein. Ah, y'en a un devant! Il est où? On est là! En fait, c'est moi qui poursuis les flics là. C'est... Ouais. En fait, les Pontiac GTO là, ça correspond au Dodge Charger SRT8 dans celui de 2012 quoi. Et après, il y a les Corvettes aussi. Là, par contre, ça peut être changé. Non, par contre, dans celui de 2012, c'est les ZR1 de Corvette, donc c'est beaucoup plus vénère. Et les Corvettes les plus rapides de tous les temps, presque. Non, mais qu'est-ce que... Oh là. Mais oh là 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 là. Et allez, il retourne dans l'autre direction. Mais il t'a vu partir dans un sens, il repart dans l'autre. Attends, j'ai enlevé mon t-shirt, là. Ah, y'a un barrage, on peut faire des essais là sans même que je joue, c'est ça qui est terrible. Oh, un barrage. Barrage. Ça y est, c'est ton premier barrage ou ton deuxième là? Le deuxième. Le deuxième. Ouais, ça va être long. Hein. Faut encore 10 secondes, faut pas que je qu'il me perde. Ah, y'en a un autre là-bas. Ah, hi. Lol. Ok, les renforts. Okay, 15 voitures. Ah, y'a un barrage à droite, fait chier parce que j'ai pas envie de... Est-ce que je pourrais pas essayer de l'éviter comme ça? Ça marche comme ça? Je sais pas. Ah ouais, c'est bon, je suis prêt. Ouais, ça a marché, ouais. Parce que je veux pas sortir de l'autoroute, tu vois. Bah tu sortiras si jamais faut leur échapper, quoi. Mais c'est con, je comprends pas pourquoi ils prennent des Pontiacs pour faire les barrages.
Alors qu'il pourrait prendre la voiture de Kong pour faire des économies, parce que des voitures comme ça, c'est cher. Ouais, et niveau 4, c'est parti. Qu'est-ce que ça change que ce soit une putain de Pontiac ou leur voiture de base à 30 euros chez Lidl, voilà quoi. Oh putain! C'est niqué là. Bombs, bombs, you want it? It's yours, my friend. Allons, Gazou, you have another bit. Par contre, la prime, elle servira à quoi à la fin du jeu? À t'acheter un manoir, comme dans Luigi? Ouais, allez, encore deux barrages. Et au niveau 4, là? Ouais. Là, je t'attends, là. Ah oui, y'a un hélico. Lol, il a apparu, ça nous suive. Et il a disparu, l'hélico. Ouais, c'est qu'on l'a... il était pas dans notre champ. Y'a des Clark sur la gauchard. Ouah. Toujours l'autoroute, ça? Ouais. En fait, c'est deux autoroutes qui se croisent. Mmh. Quoi? Une autoroute avec un panneau stop au milieu? Mais c'est quoi ce truc? David, côté 9. Ouah. Une autoroute, alors c'est pas possible. Ouais, il va y avoir un crash là. Oh putain! Oh. La Porsche, elle s'est fait retourner! Lol! Putain! Wow! Oh, c'est chaud là, tu vas te taper le mur. Recule, recule, recule. Ok, nickel. Là, faut faire vraiment faire gaffe à ces putains des SUV. Ils sont traîtres, ils arrivent vraiment au dernier moment là. Dans le jeu, dans la vraie vie, ils vont vraiment te foncer dedans comme ça. Putain, pas logique. Non, ils font pas ça les flics. Bon, faut vraiment qu'on fasse ces deux barrages, faire la rage et on sera bon là. Oh putain. Je te dis, ils font vraiment flipper eux. Quand tu les vois arriver en face, parce que tu peux, des fois tu peux pas les éviter. Et on l'a vu spawn devant nous, il a pop. On l'a vu pop en fait, le barrage. Ah, ça passait pas. Là, il a roulé sous les airs. Je loge. Allez, encore un barrage, j'arrache. Les mesures de jage. Oh putain, évite-le là, je sais pas. Ouah, bien. Ah oui, il a les airs, ça sinon. Ah oui, putain. Oh putain, lui, il a volé d'un. Ah, il vole. Il a disparu en l'air. Il faut que je les sème. Non, si je les sème pas là, je vais me taper 40 bagnoles là. Ouais. Ça va être chaud là. Oh putain. Non, il te colle là, putain. Pas suffisant. Oh, c'est bon. Non, ils sont là. Allez, les renforts, 20 voitures. 20 voitures. Je te souhaite bonne chance là. Yeah. Il y en a tellement. Oh, tu t'entends le truc là? Ah, ils se sont paumés là. Oh, ils ont tous disparu, ça y est. Oh, incroyable. Oh, t'as bien géré là. Belle fail. Oh putain, vite l'hélico. Nous avons bien. Oh, t'as de la chance là hein. Ouais, si l'hélico était arrivé avant, là c'était foutu. Par contre, je crois qu'on a pas cette prime. Si? Ah si, c'est bon. Il paraît que Kazé voudrait faire une course contre toi. Elle est un peu dingue celle-là. Allez, vas-y, montre-lui. Kazé? Ah, c'est pas Kazé, c'est Kazé, ouais, c'est japonais. Ça veut dire Kazé. Que si dit ça, ça veut dire que maintenant tu pèses dans le game, c'est ça? Oui. Bon, bah on va lui caser une place en prison. Oh. Une Mercedes SL ou ça, non? Bah, c'est une SL. Lol. Ici, ils sont gogolisés. Ah, c'est vrai qu'elle vient de flinguer sa bagnole. Après, c'est peut-être une CL, mais je m'y connais pas assez en Mercedes. Une japonaise dans une voiture allemande. Je pensais qu'elle aurait choisi de la japonaise. Hein.
Encore la musique Pac-Man. Ouais. Maman, partout, partout. Moi j'entends un peu Tupac, Tupac, Tupac. Alors, ah oui, c'est un contre-la-montre, ça. Non, non, c'est pas un contre-la-montre, c'est, ouais, c'est une course. C'est que des sprints, là, c'est ça ouais. Qui est bien. Des sprintos. Tu vois ça, dans Bimedia Drive, avec cette, la même map en mode, c'est impossible de prendre... C'est bien, comme ça. Ah oui. La physique est très compliquée dans Bim. Oh, tu prends bien les virages là, nickel. Elle est sympa cette route. Et des petits virages, des petits slaloms comme ça. Il y a le train des fois qui roule ici. Non, il n'y a pas d'éléments qui donnent vie, c'est que du faux décor. Je sais pas, je me dis, il y a quand même des voitures qui circulent. Ouais. Bah tu vois, non, peut-être qu'ils ont, ils y ont pensé, mais peut-être qu'ils avaient peut-être pas assez d'éléments, peut-être que ça prenait trop de place, j'en sais rien. Sinon, ils avaient la flemme. Ils l'auraient fait aussi, peut-être. Hein. Ou peut-être qu'ils avaient la flemme, je sais pas. Merde, j'ai pris le côté le plus long. Elle aussi, du coup. Ouais, il y a un virage, là. C'est une bonne avance, ça va, tu peux gérer. Tellement pratique. Ah. Drapeau de la France. Eh oui. Ouais, on a les Français. Il y avait le Brésil, les... il y avait Luigi. Ouah. Oh, tu t'entends un truc là. Grosse tétard sur le périphare. Là, on peut le dire, ouais, c'est vraiment la grosse tête sur le périph. Là, je vais foncer dans la machine. Loul. Ok, suivante. 3 minutes 18, son record. Ah ouais, c'est une CLK, ok. Ouais. Ouais, moi je fais pas la différence entre CL et SL. Ah, tu l'as déjà doublé, lol. Je sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a foiré son virage là, dans le rond-point. Oh non! T'as voulu pas revenir là hein. Ouais. J'ai de la chance. Oh putain lol. Ouais, tu aurais pu prendre les poteaux et la recte. C'est ce que je voulais faire de base mais... Ça n'a pas marché. Mais ça marche que sur les flics ça non? Si si, ils peuvent se le prendre aussi. Ouais. Hein. Ils peuvent se le prendre aussi. Ouais, je me souviens qu'il y avait un moment hein, où c'était pris, ouais, mais ça arrivait qu'une fois du let's play je crois. Et je me rends compte qu'il n'y a plus grand chose à dire maintenant parce que toutes les courses se ressemblent alors bon. C'est meublé. C'est pas c'est quoi là? On va ralentir sur cette image. Je vais te dire que ça m'a surpris. Ouh le camion poubelle. Le... T'inquiète pas Bébard, tu vas y arriver. Dans les ruelles. Non mais c'est abusé, rouler à 270 dans des ruelles pareilles. Elle s'est pris la rambarde, la glissière. Allez, tu prends la tétard. C'est Kong contre Kazé. Il y a la lettre K, 2K qui s'affronte. Oh, c'est l'arrivée. Allez, let's go. Des mesures de jage. T'as battu son record, t'as fait 3-8. Et voilà, Kazé, on l'a Kazé en deuxième position. Ah, c'était 3-18 son record. Ouais. Là, on prend la 7ème place, la P7. Yes. De passe Kazar. Donc, bon, si on a sa voiture, tant mieux. Hein. Mais bon, on la vendra en plus. Oui, plus. Carte grise de la voilà, Kazar. Bah, voilà. Et voilà, prends les perfs. Ouais. Ouais. Des pnards, c'est très bien les pnards. Oui, mais on verra ça la prochaine fois. On verra ça la prochaine fois. Et je vous dis à plus. Suspense.